Devant vous, c'est mon équipe après tous les packs que j'ai ouverts pour la TOTY. On va tester 3 TOTY mention honorable avec toute cette team qui a changé avec les 2 SBC que j'ai fait et les joueurs que j'avais achetés. Par contre, ouais, j'ai pas acheté les meilleurs joueurs. 0 TOTY pour l'instant. Le prix a trop gonflé. Ça reflète bien le taux de drop qui est très bas. Bref, c'est pas le sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, on va tester tout ce côté-là. On a Harry Kane, bien sûr, comme sa version UCL, mais là, il a 2 playstyle. Je voulais trop le tester depuis qu'ils ont mis son SBC dernièrement. On a ensuite Musiala avec les 5 étoiles de technique, une vitesse très acceptable et un dribble excellent. Je voulais trop le tester aussi depuis le début de l'année et le moment est venu. Il a même un playstyle d'interception hein, en défense. Ensuite, j'ai pris Alexander-Arnold. Pas grand chose à dire. On peut jouer en MC. Il y a plusieurs bons playstyle de passe. Je vais kiffer ce milieu de terrain. Et ensuite, Davis, bien sûr, 99 de défense, 5 étoiles de technique. Cafu aussi, très fort en défense. Et pour terminer, Philippe Anderson, Danilo et on a même Tovin qui a pris un autre boost. Hein. Maintenant, je crois qu'il est meilleur que ça là, les gars. Ils ont même réglé son endurance. Je viens de remarquer ça. Fallait me suivre quand je vous ai dit de l'acheter. Eh ouais, ramenez quelque chose à manger parce que cette vidéo-là, elle sera incroyable. En termes de gameplay surtout. Allez, sans plus tarder, let's go pour le premier match. Ouais, bien sûr que tout le monde va avoir une icône TOTY ou un TOTY dans leur team, c'est obligé. Je suis le seul qui n'a pas paquet de TOTY, bizarrement. Oh là là. Mais qu'est-ce qui m'a raté ce Philippe? Mais non. Les gars, le jeu a crash. J'ai modifié un paramètre pour que l'enregistrement se fasse tranquille, mais ça fait crash le jeu. Il y aura toujours un match gâché juste comme ça à chaque coup de champ. Hein. On va dire que c'est un rituel. Hein. Eno. C'est pour ça que je voulais le tester, les gars. Il est trop fort physiquement. Allez, Arnold pour le centre. Oh là là, le trait qui aide énormément. Ah oui, j'ai oublié, il y avait les TOTY en prêt aussi. Si là, c'est trop les gars. Il va pas bien se terminer ce foot champ les gars. En vain, les gars, c'est trop, achetez-le, achetez-le. Il est trop fort, c'est pas possible. Mais bordel, par quoi ça? Mais pourquoi il fait ça? C'était quoi ce tir? Mais... merci. Je voulais pas tirer dans la première intention. Hein. Pas à ce point, hein, pas à ce point. Hein. Merci Kane. Oh là là, incroyable. Et je vais pas arrêter de le dire, mais il est trop fort au niveau de la finition. C'est le buteur pivot par excellence sur FIFA. Hein. Voilà, Musiala, let's go, ça. C'est lourd, hein. C'est lourd, mais on essaie, hein. On essaie de faire le beau jeu. Et non, mais... c'est Musiala, les gars. C'est le spécialiste des trivets, là. Même s'il a pas le trait. Il y a moyen que je le garde, Musiala, les gars. Plus rien. Ouh, le Neymar. Oh là là. Oh, il a bougé son goal. C'est la première et la dernière, moi je vous le dis. Parce que déjà, Danilo il va marquer, il est trois fois en tête. Et parce que je vais tirer premier poteau dès maintenant. Arnold, hein, pas mal. Hein. Mais il fait quoi lui? T'es dit une fois pas deux. Ken les gars, c'est contrôle. Tu rates ton tacle, c'est mort. En plus les gars, le playstyle plus, il aide énormément avec ses passes. Hein. Ok, prochain match. Et milieu de bleu, il a qu'un contenant. J'espère qu'il sait pas utiliser. Waouh, je peux me dégager ou...
Je l'ai tué. Mais c'était un but masterclass. Je pensais que c'était un enjeu. Abonnez-vous. Lâchez un like. C'est tout ce que j'ai à dire. Match très compliqué, je peux marquer des buts comme ça? Non, non, non. L'équipe, elle est trop kiffante. On peut dire que je suis en forme. Malgré que le gameplay... Non, pas comme ça. Oh là là. En plus, il va jouer avec la défense, je le sais, je le sais. Qu'est-ce que je lui ai fait, les gars? C'est juste le gameplay qui est lourd, c'est tout. Ça bouge pas, ça bouge pas. J'aimerais perdre contre des bons adversaires et dans un bon gameplay, pas comme ça, frère. C'est ça le beau jeu. Apprenez à jouer, bordel. Il va quitter. C'est moi le but, hein. Voilà, Tovin. Finissons-en avec. Quel goût, Tovin, quel goût. Harry Kane! Mais c'est trop. Contrôle poitrine, enchaînement. Et là, en plus de très tir puissance, c'est parfait. 130 km/h. Oh, ok, ok. Oh là là, Kane! Il est fort! Il est très fort! Pour les gens qui l'ont testé et qui l'ont trouvé nul, faut savoir maîtriser ses joueurs, les gars. Je suis désolé. Hein. C'est un peu compliqué, mais c'est un game changer. C'est mort, les gars, c'est mort. Je peux rien faire. Hein. J'ai eu beaucoup de chance. Oh là là, le player lock. J'aime trop les gars, j'aime trop Moutiala. C'est un crack. Il était obligé de quitter les gars. On parle de... cette masterclass, Xavi, Alisson, et c'est tout. Pas ouf la team. Ça reste lent par contre, c'est bizarre. Hein. Oh, à 2 mètres des buts, il rate ça. Mais non, il a été gêné. Ça doit rentrer dans la vidéo top 10 raté de FIFA 24. Hein. C'est bon les gars, je commence à m'énerver. Hein. J'ai même pas demandé un centre. Hein. Attention, attention. Qu'est-ce qui fait le jeu là? Il y a trop un bon gameplay, je comprends pas. C'est incroyable, c'est incroyable. Ça donne envie de lâcher le jeu là, les gars. Allez. Voilà, let's go. Moussiala, les gars, Moussiala. Jamal Moussiala. Combien de décors on a eu? Il faut que je règle ce problème après ce foutu. C'est vraiment beaucoup. Merci. Mais il prédit tout, il bouge trop bien son gardien lui. Voilà. contrôle tir avec lui. C'est trop. Merci. Ouh, ok. Oh, De Bruyne. Ginola. Ouh. Oh là là. C'est un monstre. Mais c'est... c'est l'art des tout droits. Il est vraiment parti. Allez, on va essayer best SPC. 5 derniers matchs. Let's go. Mais je me force, là. Je vais faire les 11 et je vais m'arrêter. C'est bon. J'ai pas pu régler le problème, là. On l'a humilié. Le dernier match, je crois. Ça a l'air facile. Allez. Merci, Player Lock. But d'Arnold. C'est Kane, les gars. C'est Kane. Contrôle-tir. Contrôle-tir. Il est trop efficace.
Musiala le GOAT. C'est un ouf les gars, c'est un ouf. Et en plus il est trop tard pour que j'essaie de le régler, c'est bon. Kane, let's go, la tempête. J'ai tenté le beau jeu. Oh, il était parfait ce tir. Ouais. Ouais, Felipe Anderson. Voilà, merci pour le but. En vrai, j'ai une full attaque qui est bonne en défense, sauf Best. Sérieux? Ça, c'est n'importe quoi. Le rituel, pour ceux qui connaissent. Let's go. On a même pas commencé que c'est terminé. Best! Le crack! Oh, il est parfait ce but. Je voulais faire un skill finish, mais j'ai trop croqué pour le faire. La prochaine fois, il faut que je fasse l'évolution foot champ. J'ai totalement oublié de la faire. Parlons de l'équipe rapidement avant de passer vers les récompenses. En vrai, j'ai pas grand chose à dire sur la majorité des joueurs de l'équipe. Davis, beaucoup trop fort. C'est une fusée. Il sait pas le faire. Hein. Cafu, c'est très fort défensivement. J'ai beaucoup aimé. Rien à dire aussi. La défense, elle est très forte aussi. Danilo, pas mal du tout. Musiala, combien de matchs joués? 13 matchs joués, débute 5 passes. Pour un milieu offensif gauche, donc c'est même pas son côté terrain pour faire les trivia, il a extrêmement bien joué. Hein. Et franchement, on peut même le jouer en MC, hein, mais c'est déconseillé. Son dribble, c'est l'un des murs du jeu, rien à dire. On a marqué plusieurs beaux buts avec. La vitesse a été corrigée sur cette carte et le tir, vraiment, il est très très bon. Même physiquement, on voit qu'il a 60 de force, mais in-game, il a une bonne taille et ça compense de fou. Hein. Arnold, aussi, j'ai beaucoup aimé. Il a presque 86 de défense quand Makelele, mais Makelele était meilleur en défense. Bien meilleur. Mais par contre, ça n'empêche que lui, niveau passe, niveau construction, il était très fort. Le seul défaut que j'ai remarqué le plus, c'est l'agilité. Il est un peu lourd. Mais c'est pas un gros problème, franchement. Thauvin, encore une fois, je vous conseille. Il a trop augmenté depuis que je l'ai acheté. Les stats parlent d'elles-mêmes. Hein. Les stats parlent d'elles-mêmes. Philippe Anderson, vous le connaissez. Hein. Je l'ai préféré à Tevez. Mike Tevez était pas mal aussi. C'est un renard de surface. Et pour terminer, le meilleur joueur de l'équipe. Combien de matchs joués encore? 13 matchs joués. On va dire 15. 19 buts. 4 passes. C'est un crack. Il est meilleur que Haaland, les gars. Je le préfère à Haaland largement. Avec ce tir, surtout cette passe, avec laquelle on peut jouer en pivot et tous ses playstyles. He is him. Allez, 11-2. Rang 5. Les gars, c'est parti. Ok, je prendrai elle parce que je la pack jamais. 85. Oh là là. Mais c'est pas vrai. Mais jurez, c'est absurde. Ouais. Deux joueurs 85, des récompenses. Et on a un petit walkout français, MC, Gayoro. Gayoro, comme un avec. Pack ultime et on a rien eu. Uniforme, ça amortit la chute. Pack mix campagne. Terriblement nul. Pack 50k, toujours pas de bleu. Ouais. Les refs, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Il y avait des beaux buts, vraiment. Je me suis régalé. Malgré les crashs que j'ai eu dans le jeu et malgré la malchance des packs. N'hésitez pas à me dire votre avis sur le joueur que j'ai testé, les gars. Kane, Musiala, Arnold, Davis, Cafu. Si vous les avez testés vous-même. Et je vous laisse. À très vite pour une nouvelle. Ciao tout le monde. Abonne-toi, frérot.